Salut Mixchoy, Mixchoy, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien et toi tu vas bien? Ça va super pour l'instant. Elle dit ça parce que aujourd'hui c'est un challenge boisson. Elle va m'empoisonner. Elle va aussi m'empoisonner bien sûr. Donc pour vous montrer vite fait, il y a un carton avec les pailles. Dedans il y aura les verres. On mettra devant et on boira. Et celui qui trouve l'empoisonné perd. Et si tu trouves pas l'empoisonné, bah tu gagnes. Ce qui est logique. Hein. Le but c'est de survivre. Voilà, survivons. Survivons les gars. Celui qui a perdu, un petit défi. Allez. Sur ce, c'est parti pour la première boisson. Et les gars, j'ai pris du jus d'orange et nous revoilà pour la suite avec de l'huile d'olive. Voilà le verre piégé, je crois qu'on voit bien le piège, et du coup le verre normal. Ok les gars, c'est parti, première boisson. Donc soit le vert, soit le rose, j'ai une chance sur deux de trouver le bon ou de tomber sur le mauvais. Donc les gars, lequel on tente? Le vert, allez. Attends, ça a pas l'air d'être empoisonné. C'est... J'ai un trou de mémoire de la boisson. C'est pas ce que c'est. Attends. T'es sûr que c'est pas empoisonné? Tu vas pas goûter l'autre? Non. Ça se trouve d'empoisonner, je le sais pas. Attends, c'est un truc, déjà c'est pétillant. Déjà c'est pétillant. Qu'est-ce qui est pétillant? On a quoi de pétillant? Alors... Non. C'est pas pétillant, c'est le jus de pomme. Non. Genre non. Genre pas du tout. C'est pas le jus de pomme. Parce que dans les boissons, les gars, pour vous dire qu'est-ce qu'on a, c'est le jus d'orange. Oui. Donc il n'était pas empoisonné sur. Bon les gars, deuxième boisson, c'est parti, c'est moi qui vais choisir. On va commencer avec du small. C'est une boisson portugaise et après on va voir qu'est-ce qu'on met dedans. Donc les gars, c'est parti. Moi étant un peu plus addict, ce sera du lait et de la sauce barbecue. Hop. Oh voilà les gars, allez à toutes. Ok, vas-y, tu peux, petit peu. Vert, rose. À toi au bout, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, c'est toi. Je pense pas que c'est le piégé parce qu'il est bon. C'est le médicament. C'est le Sprite. Le... Non, comment ça s'appelle? Le truc à l'orange, là, le médicament. Le small. Ok, bravo. C'était ça. Franchement, là, on a de la chance pour l'instant. On tombe toutes les deux sur les bons. Ok, les gars, nous revoilà avec. Et ingrédient mystère pour le piège, la moutarde. Et j'ai rajouté aussi du ketchup. Ça sent. Bon, tout à l'heure, le vert était gagnant. On va continuer sur le vert. Petit, petit. Bon, pas trop à chaque fois. Ah, t'as mis de la moutarde. Pas la barbecue aussi? T'as pas fait un mélange? Ouais, ketchup, ouais. Oui. Bon, de la boisson, je peux pas te dire qu'est-ce que c'était parce que tout a pris le dessus. La moutarde a pris le dessus direct. C'était du cacolac. Ah ouais, t'as gâché du cacolac. Attends, je vais boire du cacolac. Bon les gars, ça va pas le faire là. Quatrième boisson, on va essayer de corser la chose. Ça vous va? J'espère que ça vous va. Alors mettez un maximum de pouces bleus les gars pour me soutenir. S'il vous plaît, là c'était horrible. Donc, la boisson de base, ça sera... Bon, ben, du jus de pomme. Je vais ajouter 3 ingrédients dans un verre. Ça sera de la vanille liquide, du citron liquide, de la vinaigrette à la moutarde, les gars. Vas-y, ah, vas-y. Je vais où? Je fais quoi? Je vais où? Bon, ben, il faut se sacrifier au bout d'un moment. J'essaie de voir dans le reflet de tes lunettes s'il n'y a pas un truc. Tu verras rien, c'est juste si je change de tête ou pas, mais... On sent pas. Sent pas. C'est bon. Bravo. Ah, ça a le goût de pomme. Bravo.
Cinquième boisson des gars, j'espère que je ne vais pas souffrir. Nous revoilà avec deux. Hey, regardez, j'ai trouvé quoi. C'est... Je lui ai ramené du... Allez les gars, je vous montre à quoi ça ressemble. Ça c'est le pas bon, c'est le pas bon, et ça c'est le good. Bon courage. Donc là, est-ce que tu t'es dit, vu que tout à l'heure j'ai fait le vert, tu t'es dit, je le mets au rose, c'est le piégé. Comme ça je vais être ici, je vais être piégé, donc je vais rester sur le vert. Et là si c'est vraiment piégé, je suis vraiment malchanceuse. T'es sûre? Je vais vraiment faire une mini truc, parce que tout à l'heure je me suis démontée. Ouais, mini, vraiment mini. Quoique ça devrait aller. Hein. C'est de l'eau. Mm-hmm. Il y a un goût de banane ou je sais pas quoi derrière. Un goût de banane. Alors qu'il est pas censé avoir de banane. Il y a pas de banane. Déjà si c'est à l'eau, non, c'est censé être la menthe. Il doit être piégé celui-là, c'est obligé. T'as pas mis du vinaigre ou je sais pas quoi dedans? Ah oui, un tout petit léger, vraiment très 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 léger, dernier ingrédient. T'as mis du champagne ou quoi? Non. Moi j'avais trop du champagne quoi. C'est un type d'huile? Non. Je le sens que le vinaigre. Un peu de poivre. Mais c'était très léger parce que je voulais pas que ça se passe. Je le sentais pas le poivre. Après j'ai fait vraiment des mini gorgées donc... Voilà. Bon les gars, pour cette prochaine boisson, ça va être de la menthe avec la limonade. Madame Léa, elle appelle ça un diabolo menthe. Donc on va faire un diabolo menthe et on va voir qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Faut qu'elle tombe dessus quand même, hein. J'en ai marre de me prendre les figées. Pas très silencieux. Ok, on va rajouter le petit cacolac. Un petit peu. On va rajouter du vinaigre rouge. Un petit peu. Un petit peu de sel. Je pense qu'on est plutôt bon. Bon, eh ben on y est. C'est le moment. Pourquoi toi tu rigoles pas? Parce que j'essaie de rester neutre. Pourquoi? T'es sûr? J'ai peur. Le vert pour vert? Le vert c'est un piège, hein. Il est toujours piégé lui. Ah il est bon. Ouais, il est bon, ouais. C'est un diabolo? T'as gagné. Oui, c'était le diabolo. Diabolo menthe. L'autre je préfère pas goûter parce que déjà que le diabolo c'est spécial. Si jamais il y a un mélange chelou, ok, tu veux, je prends le risque quand même, d'accord, j'ai compris. Mini, hein, c'est vraiment une gouttelette dans ta bouche. Parce que je sais pas si ça va se sentir, j'ai pas remué en plus, donc il y a tout à la surface. Il y a du cacolac avec? Ouais. Je sens le diabolo et cacolac. Ah ouais? Ouais. Le reste ne se sent pas? Si. J'ai mis gavé de trucs. Ah bon? Mais c'est tout ce que j'ai senti. Un mélange diabolo et cacolac, déjà de base de mélange. J'ai rajouté du vinaigre rouge, j'ai rajouté du sel. Ah oui, d'accord. Ah si, un peu de sel, ouais, c'est un peu salé, ouais. D'accord, ouais. Le cacolac a pris le dessus quand même, surtout. Je crois que j'en ai mis pas mal par rapport au reste. Ah, c'est pour ça. Les gars, on va mettre encore de la... Les gars, je vais mettre une petite trompe. Et ça. Ok, la famille, ça donne ça. Le piégé. Le pas piégé, on voit bien la différence. Ok les gars, c'est parti pour la souffrance. Ou pas. J'ai déjà envie de rire. Les gars, on réfléchit pas, allez. Oh. De la menthe à l'eau, qui n'a pas l'air d'être empoisonnée. Oh. Nul, remboursé. Mon premier pas empoisonné je crois, ou mon second, mais... Remboursé. Je ne peux plus tester le verre. C'est bon, le verre, j'en ai marre. Un tout petit peu peut-être le verre, mais léger. Je suis pas sûre que ça se marie bien. C'est peut-être bon, remarque, hein, mais... Je sais pas, j'ai eu un jet d'un coup dans la bouche. Ah, c'est pas des trucs de ouf. C'est des trucs qui peuvent se marier, mais... En vrai, je trouve pas. T'as mis une autre boisson, non? T'as pas mis le small ou un truc ouais, genre? Ouais, j'ai mis du small et j'ai mis un très léger zeste de citron. Ah ouais? Bah après, la limonade, c'est déjà citronné, donc... Ah oui, non, là, c'était de la menthe à l'eau. Ah ouais. Donc, boisson suivante, les gars. Ok la famille, puisqu'on en est dans ce grand moment de confidence, je vous montre ma brûlure. Vous avez vu?
J'ai voulu faire un gâteau. En fait, en sortant le gâteau, ben, j'ai mis les mains comme ça, enfin les bras comme ça. Et il y avait de four et du coup, ben, ça m'a brûlé. Voilà. C'était l'histoire de ma vie pour vous faire patienter. Donc la dernière boisson qui reste pour le dernier boisson du challenge, c'est celui-ci. Je sais pas s'il est encore bon, ça fait longtemps qu'on l'a, donc il a l'air d'être encore bon. Ah oui, il est encore pétillant. On va mettre ça, ketchup barbecue. Ça fait du bruit, hein. On va doucement sur celui-ci. Hop. Et on va rajouter la menthe et le vinaigre blanc. Huili. Voilà, tu peux y aller. Petit peu. Notre dernier tête-à-tête, les gars. Donc là, il faut finir en beauté, s'il vous plaît. Droite ou gauche? Droite, gauche. Droite, gauche. Ah, rigole aux deux. Elle rigole aux deux. C'est même pas drôle. Tu me fais normal. Ah, vas-y, j'ai commencé avec le rose. Je vais finir avec le rose, tant pis. Et non. Ah là, comme elle a changé de décision. Bravo. Coca. Ouf, toujours feinté au dernier moment. J'ai eu peur. Hein. C'était quoi là? Oh, j'y ai trop cru. On va tester un petit mélange. Il y a gavé de trucs, donc je sais pas si ça sent. Ah, ça a le goût de des sauces de McDo. Oui. Ça a le goût d'un burger de McDo. Mais mélange à du Coca. Genre vraiment. C'est comme si tu trempais ton burger dans le Coca de McDo. Ouais. Donc que les frites et c'est bon là. C'est ce qui se passe dans mon estomac à la fin d'un repas McDo quoi. Je crois que c'est quand vous vomissez votre repas McDo, vous devez avoir ça dans la bouche après. Ah ouais, d'accord. Voilà, c'est le genre de délire. Donc, j'ai perdu, faut que tu me trouves un défi. Un défi, qu'est-ce qu'on va lui trouver comme défi? Ton défi, c'est de faire la même chose, mais avec de la nourriture. La prochaine fois, tu fais la même vidéo, mais avec de la nourriture. Oui, le but, c'est de faire nourriture piégée d'un côté. Et oui, d'accord, oui, on peut voir pour faire ça, mais ça, c'est une autre idée de vidéo, c'est pas un défi. Fais 15 pompes. Donc, je sais pas en faire 15, mais ok, si tu veux. Ou 10, si c'est trop. Allez, 10. 10. On est gentil. 10 pompes. On va filmer ça, messieurs, dames. Pompe comme ça, je sais pas les faire. Un. Donc, je les fais sur les genoux. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, c'est dur. 9. Allez, plus qu'une, c'est bon. 10. C'est bon, on arrête là, le supplice. Ah, j'ai eu mal pour elle, vraiment. Ah, surtout que le sol fait mal. Les gars, le sol fait mal. Donc, les gars. Non, c'est que c'est bon. Sur ce, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça aurait été peut-être une grosse vidéo, mais c'est vraiment le premier challenge qu'on fait. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez bien rigolé à me voir souffrir. Parce que la madame n'a pas trop souffert. Hein. Non, franchement, ça va. Je m'en sors plutôt bien. Et encore, j'ai goûté quand même les boissons pièges. C'est ça. Je pense que, à mon avis, il y en a, c'était vraiment piège. Mais celle que je lui ai faite là, en deuxième, Ouais. C'était la pire, à mon avis. Vraiment le pire mélange. Sur ce, mettez plein de likes. Ouais. Et abonnez-vous, partagez, likez. Et je vous dis à la prochaine.